ben bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir. Je devrais dire bonsoir ou bonjour, bon, je sais pas, ça va être bonjour. Parce qu'on est quand même en toute fin de soirée. Puis je voulais vous montrer un petit truc que j'utilise pour mes collations l'hiver, j'adore ça. Je pourrais pas vous les montrer parce qu'ils sont... attendez, je vais les passer, je vais les rincer. Voilà, c'est des haricots que j'ai fait renfler. Avec de l'eau et un peu de bicarbonate. C'est beau, hein? Parce que, au lieu de publier des cuirs pendant des 3, 4, 5, 6, 7 heures, quand ils ont eu ce traitement-là, ils sont déjà. Oups! Il est parti! Ils sont déjà un petit peu ramollis, puis ils vont avoir besoin d'à peu près, je sais pas moi, quelque chose comme une heure de cuisson au maximum. J'utilise le même principe pour la soupe au pois. Donc, on va déjà envoyer ça là-dedans. Puis là, ce coup-là, je ne mettrai pas de... Comme la soupe au pois, je mets oignon, céleri, carotte, avec quelques aromates. Mais là, ce coup-là, ça va être... Ça va être seulement du sel, du poivre, des oignons, de l'ail et du lard salé. L'idée, c'est d'avoir des haricots blancs. L'idée, c'est d'avoir des haricots blancs qui ont du goût. Et ça, je les mets dans des petits contenants comme ça et je les gèle. Ça me donne des belles petites collations pour une partie de l'hiver. C'est pas très compliqué à faire parce que le problème des... J'ai goûté des haricots blancs à bien des places. Puis le problème, c'est qu'ils n'ont pas de goût. Alors, pour que ce soit le fun, ben, faut leur donner du goût. J'avais un sac d'haricots comme ça de... Comment est-ce que... Oh, mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient. Il va falloir que je passe chez l'optométriste. ça contient combien, ça? Ah, je l'ai, c'est 900 grammes d'haricots. J'en ai mis la moitié. Donc, 450 grammes. Et puis... Là, d'habitude, je prends du lard le plus salé que je peux trouver. Alors, à ce moment-là, j'ai pas besoin de remettre de sel dans la casserole. Alors, ce lard-là que j'ai eu, ben, il est pas très salé, donc je vais devoir ressaler. Hop, et hop, et hop. On dira ce qu'on voudra, mais dans ces nourritures-là, ça prend du goût. Alors, ça nous change un peu des haricots sucrés de cabane à sucre. Si vous voulez une bonne recette d'haricots sucrés, ah mes cheveux, si vous voulez une bonne recette d'haricots sucrés, j'en ai fait sur la chaîne il y a déjà, ça fait 2 ans à peu près. Vous la trouverez. Ou ben non, je vous mettrai peut-être l'adresse de la vidéo en dessous de la vidéo. Vous allez voir, c'est pas très long, c'est facile. On va juste les couper en cubes comme ça. Puis de toute façon, ils vont perdre, même gros comme ça, ils vont perdre à peu près le... Ils vont perdre à peu près le 2/3 de leur volume en cuisant. C'est vraiment des techniques à l'ancienne. La nourriture de cow-boy ou de bûcheron. Hé, hey, le minou, là! La nourriture de ferme quand t'as pas trop d'argent. Ça coûte pas cher. Alors, on va l'aromatiser un peu. Aïe, les oignons. Les oignons, on va les ciseler pour ne pas avoir des trop gros morceaux. On va avoir des morceaux à peu près de la grosseur des haricots. Comme c'est des petits oignons, je vais peut-être en mettre un autre. Non, ça va être pas pire, ça. Hop, tiens, non, j'en mets un autre. C'est des petits oignons. Normalement, je n'aurais mis un gros, mais deux petits, ça va faire le travail. Les oignons me font pleurer. Et on peut, si on veut, mettre un peu de légumes dedans, mais pour ce genre de choses-là, j'aime mieux pas. Parce que c'est une question de goût, remarquez. On va envoyer l'ail aussi. Bon, une bonne quantité. Encore un peu. «
Et ça, je mets pas trop d'aromates là-dedans. Tiens. Là, on a quelques gousses d'ail, c'est parfait. On va couper ça en gros. On peut en mettre plus, on peut en mettre moins, c'est une question de goût. Et comme je vous disais, comme un petit peu de poivre. Normalement, dans beaucoup de recettes, je mets du poivre en grain parce qu'on a plus le goût du poivre et moins de piquant. Mais là, le problème, c'est que je ne passerai pas cette mixture-là au mélangeur. Voilà. Oh, une bonne dose d'eau dans ça. Alors, je mets de l'eau à peu près ça par-dessus les pois pour qu'en fin de cuisson, les pois soient parfaits et puis, que j'ai pas d'eau résiduelle. Donc, puis s'il en manque en chemin, ben, j'en rajouterai en chemin. Donc ça, on part ça, ça part à bouillir. On en a pour à peu près une heure. Puis quand ça va être prêt, ben, je vais revenir vous voir. Bon, après un petit peu plus qu'une heure de cuisson, on obtient, je vais amener la casserole prête. Ah, c'est beau ça. Je peux pas vous montrer ce qu'il y a dans la casserole, je vais vous le montrer dans l'assiette à la place. On obtient quelque chose de très onctueux. Puis à cause du gras que j'ai mis dedans, ben ça va être parce que les légumineuses, si on met pas de gras, c'est rompu. Alors si on met du gras, ça devient très onctueux, très crémeux. Je vais vous montrer ce que ça donne. Oh! Et ça donne... Oh. Est-ce qu'on le voit? Et ça donne quelque chose comme ça. C'est ce que moi et mon cuisinier avec qui je travaillais, on appelait ça de la nourriture de cow-boy parce que les Sud-Américains font quelque chose comme ça avec des haricots rouges. Et à un moment donné, on va devoir fouiller dans ça pour trouver des affaires, le fun à faire. C'est un vieux recueil de cuisine sud-américaine avec plein de recettes, plein de techniques et plein d'histoires. J'adore. C'est un vieux... quand je fouille sur Internet, je trouve des historiques, je trouve des recettes, c'est le fun. Mais c'est jamais comme... ça, c'est une c'est une édition qui date des années. Attendez, on va vérifier ça. Ah, 1974! Et j'ai une série de... Je pense que c'est... J'ai pas toute la série complète. J'en ai, je pense, c'est 14 ou 15 bouquets de différentes cuisines d'un peu partout dans le monde. C'est avec ça, dans le temps, que j'ai appris à faire toutes sortes de plats le fun au restaurant où je travaillais, le bistrot où je travaillais, avec ces bouquins-là que la propriétaire avait. Et puis, elle m'avait amené ça à un moment donné, elle a dit « Ouais, c'est pas le fun, il n'y a pas grand recette là-dedans. » Mais ce que j'ai trouvé le fun, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'histoires, beaucoup d'historiques des recettes, beaucoup d'historiques des pays, parce que ça c'est toute l'Amérique du Sud, là. Beaucoup d'historiques des pays et quelques recettes et qui sont surtout des techniques. Un peu comme ce que vous avez, la rose de cuisine en France, que j'ai eu entre les mains longtemps, où on va chercher des techniques plus que des recettes. Alors, puis comme je me suis toujours intéressé beaucoup plus aux techniques qu'aux recettes, ben je vais souvent essayer une recette que je vais trouver dans un bouquet. À l'époque, c'était ça. J'essaye une recette que je trouve dans un bouquet, je trouve ça le fun. Puis je regarde les produits que j'ai, date. OK, ça pourrait marcher aussi avec ça, puis avec ça. Alors, ma cuisine est beaucoup faite de cela. Et ma cuisine de tous les jours est loin, en tout cas, on en parlera à un moment donné. C'est une cuisine de personnes âgées qui a absolument pas d'embonpoint. Checkez-moi ça. Même quand je me sors le ventre, il n'y en a pas gros. Et puis, même j'avais commencé à prendre du poids dans les derniers mois. Et j'ai réglé ça. Je me suis pas vraiment mis au régime, j'ai changé le menu. Je vous conterai ça à un moment donné. Oh, ben, on va goûter à ça. Ben, ça fait longtemps que j'avais pas fait ça, par exemple, hein, ce genre de nourriture-là. Parce que ça n'avait pas donné.
je vais finir par leur charger la publicité. Encore la même entreprise. Il y a un beau mélange d'épices pour du végétal. Voilà! C'est ça que j'ai mis dedans. Ça donne du goût un peu. Ça fait des bonnes collations. Ça fait même, avec une bonne tranche de pain beurré, ça fait même un repas complet aussi. Et c'est extrêmement simple. Et ça se congèle très bien et c'est ce qui va arriver. Et comme c'est très nourrissant et très solide, ben, j'ai pris des contenants pas mal moins gros parce que c'est le genre de choses que je vais souvent, c'est le genre de choses que je vais souvent réchauffer en arrivant de travailler. Comme ça, avec la quantité que j'ai préparée, je vais en avoir pour... En prenant une de temps en temps, je vais en avoir facilement jusqu'à Noël, puis je vais recommencer. Puis peut-être que la prochaine que je ferai, je prendrai des haricots rouges. Ça a plus de couleurs. Puis les haricots sont plus gros un peu. Alors, c'est ça. Alors, moi, il est tard. Et puis, je m'en vais prendre ma collation avant d'aller me coucher parce que je travaille demain. Salut, à la prochaine.